Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez maintenant, je produis régulièrement des micro-capsules. Et je propose aujourd'hui qu'on regarde finalement également, toujours pareil sur cette partie de l'acidité, qui vous le savez est un sujet majeur sur ma chaîne, puisque je parle de l'eau alcaline ionisée. Je vous rappelle que cette chaîne n'a vocation de faire aucune allégation médicale, je ne suis même pas médecin. Je n'ai pas le droit de le faire, si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut voir, qui pourra lui seul pourra poser d'ailleurs un diagnostic et vous donner un traitement adapté. Je suis juste là pour prendre conscience finalement de l'importance cruciale de boire une bonne eau, de vous hydrater correctement. C'est un des piliers de la santé comme la respiration, la posture mentale, l'alimentation, la micronutrition, le sommeil, l'air en forêt comme aujourd'hui, voyez. Et vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite. Alors vous allez le voir, je vais vous réaliser devant vous ici une démonstration qui va littéralement vous surprendre. Pourquoi? Parce que moi, cette démonstration, je l'ai vue il y a 14 ans, faite dans des conditions différentes par une américaine, notamment à l'époque. Je vais vous démontrer comment une solution acide est capable finalement de littéralement acidifier en quelques instants un terrain alcalin. Et je vous remettrai d'ailleurs en capsule de référence la fameuse capsule de la paille et du gaz carbonique des poumons pour vous montrer à quel point on peut acidifier rapidement un terrain alcalin. Là, ce que je voudrais simplement vous démontrer, c'est notamment à tous ceux qui boivent aujourd'hui des eaux, je pense, gazeuses, qui sont surtout très en vogue aujourd'hui, parce qu'elles ont de l'appétence, elles créent effectivement en bouche quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus goûteux, moins fat, parce que l'eau, effectivement, aujourd'hui, malheureusement, ne donne plus cette sensation de correctement nous hydrater, et surtout le goût qu'elle nous procure n'est pas suffisamment intéressant pour qu'on ait envie de la boire. Donc je vais vous démontrer, grâce, vous allez voir, à une démonstration avec des verres, et toujours des couleurs, on va être dans quelque chose d'extrêmement visuel, de quelle manière le pH très acide peut très rapidement entraîner l'acidification du terrain et de facto comprendre que sur votre santé, évidemment, ce n'est pas une boisson très intéressante. Je vous laisse découvrir cette vidéo tout de suite. On va regarder aujourd'hui ensemble quelque chose de très intéressant qui a trait bien sûr à l'acidité. Je voulais juste qu'on regarde ici en fin de compte ensemble déjà à quel niveau d'acidification bouteille que vous connaissez, j'ai caché la marque volontairement. On va donc, avec cette échelle du pH présente ici, vous voyez, on va donc pouvoir mesurer la couleur. Je vous le rappelle, aujourd'hui, l'acidité, on la mesure de quelle manière? Avec des couleurs. Vous le voyez ici, ce qui est orange, c'est ce qui est le plus acide. Ce qui est vert ici, c'est le neutre. Et ce qui est très alcalin, c'est ici violet. Donc, en fin de compte, ce que je vous propose comme expérience aujourd'hui, c'est de pouvoir, en fin de compte, regarder déjà à quel pH est donc cette boisson. J'ai ici devant moi un révélateur de pH, tout à fait standard piscine. Et j'ai ici à ma droite de l'eau alcaline ionisée que je vais simplement également faire révéler avec les couleurs du pH pour bien vous montrer qu'elle est alcaline. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer de quelle manière finalement l'acidité va affecter notre terrain. Car je vous le rappelle, aujourd'hui, il faut absolument comprendre visuellement quelque chose pour comprendre ce qui se passe vraiment dans notre corps. Passons à la démonstration. Donc, comme je vous le disais, on va donc prendre ici notre bouteille d'eau gazeuse, minérale, pétillante. Et je vais prendre de l'autre côté, ici, de l'eau alcaline. Vous voyez, c'est marqué ici, eau alcaline pH 9,5. Je vais en mettre dans mon verre également. Voilà. On va donc maintenant prendre mon testeur de pH et simplement mesurer, encore une fois, quel est le pH à la fois de cette boisson ici gazéifiée et de mon eau alcaline ionisée pour bien se rendre compte de la différence. Donc je mets quelques gouttes, vous allez voir, je ne vais pas tricher, je vais mettre dans chacune des solutions 3 gouttes. Voilà. 1, 2 et 3. Donc ce qui est important de comprendre, vous voyez, c'est qu'effectivement ici, vous le voyez très facilement à l'écran, j'ai donc d'un côté, je vais vous le montrer avec cette échelle de pH, vous voyez ici, et bien sûr, dans le bleu ici, vous le voyez. À l'inverse, ma boisson ici, donc gazéifiée, vous le voyez, elle est bien acide. Donc, on a bien la preuve, encore une fois, via cette mesure tout à fait standard du pH, que cette boisson, donc gazéifiée, est bien acide. Alors, ce qu'on va maintenant regarder ensemble, c'est finalement comment on peut justement chercher à corriger le terrain. Je vous rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a cette qualité, c'est de pouvoir corriger un terrain acide. Mais on va le voir. Il y a une limite, notamment à cette correction. On va prendre ici donc ce saladier que je vais mettre devant vous. Pourquoi j'ai pris un saladier? Parce que je vais simplement vous montrer quelle quantité d'eau il faut que j'utilise simplement
pour arriver simplement à modifier le pH de cette boisson. Donc je vais verser, vous voyez c'est jaune encore une fois, donc la boisson est bien jaune. Donc cette eau bleue, je vais simplement la verser dedans pour que vous puissiez vous rendre compte qu'en fin de compte, cette boisson, eh bien vous voyez, qui était bleue, elle est toujours jaune. Donc ça veut dire simplement que ici, en fin de compte, on voit bien que la même quantité de boisson alcaline n'arrive pas à neutraliser l'aspect donc acide de cette boisson. Et donc je vais de nouveau remplir avec cette bouteille. Je vais donc compléter de l'eau de cette bouteille pour vous montrer finalement de quelle manière et surtout quelle quantité d'eau on va utiliser pour justement arriver à basculer notamment cette eau acide. Pour continuer cette démonstration, je vais donc ici, vous voyez, prendre cette bouteille remplie d'eau alcaline ionisée à pH 9.5. Et donc, je vais simplement vous montrer, en commençant par un premier verre entier, de quelle manière, finalement, cette eau alcaline devrait, si elle le pouvait normalement, corriger le terrain. Donc, vous avez visuellement devant vous cette boisson qui est jaune, qui, je vous rappelle, est acide. Je vais donc continuer à verser, et je ne sais pas si vous le voyez, c'est d'ailleurs assez rigolo à l'écran, on le voit, l'eau devenir bleue. On a l'impression que ça va changer. Et regardez ce qui se passe. En quelques instants, on le voit à l'écran et c'est magique. L'eau reste jaune. Vous voyez, simplement au bout de environ plus de 6 verres, on est en train à peine, je vous laisse bien regarder dessus, on va voir vraiment dessus, vous voyez l'eau est en train de changer de couleur. Vous voyez peut-être. Alors je peux vous dire là, il y a à peu près plus de 750 centilitres, puisque cette bouteille fait 750 centilitres. J'en ai mis pratiquement d'ailleurs 2. Donc on doit être à peu près à plus d'un litre d'eau. Donc vous voyez un litre d'eau pour peut-être 4 à 5 centilitres de cette boisson acide. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette démonstration, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, vous voyez, une toute petite quantité d'acide, eh bien, il est extrêmement difficile de pouvoir la ramener simplement à un niveau d'alcalinité. Je vous le rappelle, votre corps, qui a notamment sur le pan cellulaire un pH plutôt de 7,30 d'une manière générale, lorsqu'il reçoit, vous voyez, notamment simplement une petite quantité de cette boisson, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Via, bien sûr, un système de tampon, on appelle ça les bicarbonates dans le sang notamment. Ou s'il n'y en a pas assez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher bien sûr à puiser massivement dans nos réserves calciques très souvent pour rééquilibrer ce pH. On voit que simplement il faut comprendre qu'ici, lorsque les gens gazéifient cette eau, ils ignorent totalement que ces boissons, d'une part, sont acides, donc c'est extrêmement nocif pour leur corps, encore une fois, même pour l'émail des dents. Donc sachez, pour toutes ces raisons, encore une fois, je vous encourage vraiment à éviter absolument de boire ces boissons, d'en faire une consommation modérée, encore une fois, et de vraiment privilégier ici, bien sûr, une eau alcaline ionisée à pH 9.5 idéalement, parce qu'encore une fois, on l'a compris, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à renforcer votre tampon alcalin. Alors, vous l'aurez compris, cette vidéo vous permet vraiment de comprendre l'impact, notamment, vous voyez, de l'acidité. Vous avez vu le nombre de verres qu'il m'a fallu pour simplement ramener le pH de cette boisson à un niveau neutre. C'est impressionnant, ça vous donne simplement une idée d'à quel point ces boissons sont très acidifiantes. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette démonstration. Et je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée a 3 propriétés fondamentales. La première, vous le savez, c'est une eau alcaline qui est là pour renforcer les tampons alcalins et d'une certaine manière enlever l'excès d'acidité comme un buvard dans notre corps. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui, comme son nom l'indique, est une eau qui va être là pour lutter contre la rouille cellulaire qui, vous le savez, est un poison pour notre corps, surtout lorsqu'il y en a trop, puisqu'elle va affecter à la fois nos cellules, mais également notre peau. Et la troisième, c'est une eau hexagonale, microstructurée, qui va donc être là pour beaucoup mieux être assimilable au niveau de vos cellules, et mieux surtout, permettre à votre corps de se débarrasser de tous ces déchets liés notamment à notre mode de vie aujourd'hui. Voilà, je vous laisse encore une fois admirer ce magnifique paysage, et je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.